Retrouvailles aussi pour les journalistes et leurs familles. Certains ont frôlé la mort en faisant simplement leur métier. J'ai voulu faire un tour du côté des partisans pro-Moubarak, par souci d'objectivité. Et voilà donc ce qui reste de la chemise que je portais à ce moment-là. Et ensuite, c'est 36 heures de tabassage, d'humiliation. Ce week-end, d'autres vols partiront du Caire pour amener les Français qui le souhaitent. Mais pour l'instant, la France n'envisage pas l'évacuation de ses ressortissants.